Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là il est actuellement 13h20, donc ce matin je me suis réveillée tranquillement, j'ai joué un petit peu à la console, j'ai fait un peu de dessin, tout ça, enfin petite matinée tranquille. Ensuite j'ai mangé. Et donc là 13h20, je vais aller m'habiller. Pour aller au cheval cet après-midi. Donc là, je suis actuellement en pyjama, donc team pyjama. Et donc voilà, là, je vais m'habiller. Et puis, on se retrouve juste après. J'ai fait une petite douche, je me suis habillée tranquillement, comme d'habitude quoi, je m'habille en équitation, donc j'ai mis un jean, n'importe quoi, un pantalon d'équitation gris, un polo noir, donc et mes chaussettes bleu marine et grise de chez Pad. Donc voilà, je m'habille normalement, on va dire tout simplement. Donc là je vais patienter à peu près 1h30, voire 2h avant d'aller au cheval, et je vous emmène là-bas.
Donc là j'ai préparé mes affaires, il y a mon e-col, ma boîte, mes chaps, mon tapis, mes chaussures, ma bombe, mon amortisseur, mes étriers, et c'est parti! Là, j'accompagne le centre aéré pour une balade avec les petits. Et j'aide à préparer les poneys pour le cours d'après. Donc par la suite, je prépare mon bébé Sand pour le cours de dress et en attendant, on s'est fait plein de délires avec une pote. Pour le cours, on a travaillé la reprise de dressage du galop 4, même s'il y a des galop 2 dans le cours, on n'a pas fait difficile. On commence par le faire au trot, puis ensuite avec les vraies allures, mais au lieu de faire le départ au galop au bout de la diagonale, on l'a fait sur la diagonale. À la fin du cours, j'ai fait quelques sessions à la jambe et reculé. N'oubliez pas, ça reste nos débuts, donc forcément, c'est pas parfait.
Ensuite, Sandra a eu ses grains et voilà, la journée est terminée. Et j'espère que ça vous plaît.